Pour agrémenter tes mix DJ, tu peux utiliser des effets. Les effets, on peut, dans certains cas, les calibrer avec un haut niveau de précision. Par exemple, sur certaines tables de mixage, comme celle-ci, une DJM de chez Pioneer, c'est vrai sur des tables de mixage d'autres constructeurs, c'est vrai également sur des mixeurs numériques, comme dans des logiciels comme Traktor, Serato, Virtual DJ, etc. On a tout un tas d'effets et, dans certains cas, on peut les paramétrer. Ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est une option qui s'appelle FX Frequency. En français, on pourrait traduire ça par les fréquences appliquées à un effet. C'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. Salut, je m'appelle Yann. Si tu ne me connais pas, ça fait un peu plus de 10 ans que j'enseigne la musique électronique sur Internet. Donc, j'apprends à mes élèves à devenir DJ et à créer des morceaux. Et dans cette vidéo, on va voir comment appliquer des effets de manière assez subtile et de manière très calibrée, très précise. On va comparer les différents rendus, si tu veux, avec les options du FX Frequency. Donc, en fait, si tu veux, le FX Frequency qui se divise en trois compartiments, si tu veux, en trois compartiments de fréquences, les low, les mid et les high. Donc, low, c'est pour les fréquences basses, les mid, c'est pour les fréquences moyennes et les high, c'est pour les fréquences aiguës. Quand on active un bouton parmi ces trois-là, en fait, on va activer l'effet dans cette bande de fréquence. Par exemple, si on active le bouton low, ça va appliquer un effet uniquement dans les fréquences basses. Si on applique le bouton high uniquement, on va laisser passer l'effet uniquement dans les fréquences hautes. On peut combiner comme ça low et high ou ne garder que les mid ou voilà, faire tout un tas de combinaisons. Donc, si tu veux, l'intérêt de tout ça, c'est d'appliquer un effet quel qu'il soit. Par exemple, dans cette vidéo, j'ai pris la réverbération. Tu sais, la réverbération, c'est l'ensemble de toutes les réflexions sonores qu'on peut avoir dans une pièce. En gros, la réverbération, pour faire simple, si tu veux, c'est imagine que tu tapes des mains dans une église. Tu tapes des mains exactement de la même façon au milieu d'un champ, et bien ce que tu vas entendre sera totalement différent parce que l'environnement va émettre des réflexions sonores de manière différente. Et cette différence, c'est justement la réverbération. Donc la réverbération, c'est l'effet que j'ai appliqué dans cette vidéo pour la démo. Et donc tu vas voir qu'on va laisser passer des fois que les fréquences hautes, des fois que les fréquences aiguës de cet effet de réverbération. Ok, donc là j'ai fait un export depuis la table de mixage avec les quatre circonstances. La première circonstance, si tu veux, c'est sans effet, donc le morceau tel qu'il est à l'origine. Ensuite, on a une deuxième version qui est l'effet à fond. Donc on a la réverb avec toutes les fréquences de la réverb qui sont prises en compte. Donc on a que de la réverb à fond. J'ai fait exprès d'exagérer vraiment l'effet pour qu'on soit plus sensible à ce que ça produit sur le son. Ensuite, le troisième enregistrement, c'est sur le FX Frequency. J'ai désactivé les lows, donc les basses. Et sur le dernier enregistrement, sur le FX Frequency, j'ai désactivé les lows et les mids, donc il ne reste plus que les aigus. Je te fais écouter ce que ça donne, et en même temps, je vais te montrer le résultat sur la table de mixage, en fait, comment ça s'est produit. Donc, par exemple, là, le premier enregistrement, il n'y a aucun effet. Donc là, on voit que le bouton, il est sur... Enfin, on ne le voit pas, parce qu'en fait, si tu veux, il est allumé en permanence quand il est sur off, et quand il est sur on, il clignote. Tu vois, ça c'est le bouton en fait on/off des effets sur la table de mixage. Là on a l'intensité de l'effet de la réverb. Donc là on voit qu'il est au minimum, en fait il est à zéro, donc c'est pour ça que j'ai mis sans effet. Et là le FX Frequency, les touches sont allumées, mais ça n'a pas d'importance puisque l'effet est désactivé. Donc le son d'origine donne ça. Voilà. Maintenant, deuxième enregistrement. On a l'effet complet. Donc, tu vois ici, level death, je l'ai mis à fond. Et on a toutes les fréquences du FX Frequency qui sont activées. Ça veut dire qu'on va avoir la réverb vraiment à fond. Alors, je te préviens, le son va être assez dégueulasse, hein, puisque j'ai fait exprès de mettre justement la réverb à fond pour qu'on l'entende bien. Et du coup, la réverb est impactée. Est présente, si tu veux, en fait, pour toutes les fréquences, puisque toutes les touches ici sont enfoncées. Donc, ça nous donne ça. Voilà.
Voilà, troisième enregistrement. Donc là, on a bien l'effet qui est à fond et on a juste désactivé les lows. Donc ça veut dire que sur la reverb qui est à fond, on va appliquer les fréquences médium et aiguë sur la reverb. Par contre, les fréquences basses ici ne seront pas affectées par la reverb. Et donc, tu vas remarquer qu'on entend donc mieux le kick parce que le kick au niveau des fréquences basses n'est pas impacté par la reverb. Ce qui nous donne ça. Et dernier cas de figure, donc là on a bien l'effet qui est à fond ici, on a les lows et les mids qui sont désactivés pour la reverb, donc la reverb ne sera présente que dans les fréquences hautes, et donc du coup pour les fréquences basses et moyennes, on va entendre le son d'origine, ce qui nous donne ceci. Voilà pour ces explications sur le FX Frequency, j'espère que ça a été clair. N'hésite pas à mettre dans les commentaires si tu as des questions ou si tu as des remarques par rapport à ce type d'effet. Regarde dans la description également, je vais te mettre des liens, notamment vers le pack de bienvenue DJing. Tu vas voir, c'est un pack de ressources que j'offre aux membres de la Guerre des Potards. C'est complètement gratuit et tu vas pouvoir récupérer comme ça un guide de démarrage si tu es débutant. Tu vas voir pas mal de ressources, il y a des modes d'emploi sur le mix, il y a pas mal de choses. Et une deuxième chose, si tu veux aller beaucoup, beaucoup plus loin sur les effets, sur le mix DJ, sur les techniques plus avancées pour devenir vraiment un pro des platines et vraiment enflammer ton dance floor, regarde aussi, pareil dans la description, je te mettrai un lien vers des formations de mon collègue Damien Rox. Merci d'avoir regardé cette vidéo, pense à t'abonner, à mettre un like, à partager et je te dis à très bientôt. Ciao.